Salut. Soldat. Ça flingue comme tu veux. On doit retrouver Monsieur Van Bach, mais il va falloir d'abord s'équiper. En route, on doit récupérer l'équipement nécessaire au plus vite pour pouvoir se mettre à la recherche de Monsieur Van Bach. Chaque type d'arme a ses forces et ses faiblesses. Alors prenez l'habitude de permuter entre vos armes principales et secondaires en fonction des circonstances. Les grenades ont un délai de recharge. Vous devrez donc attendre un peu entre deux lancers. D'après mes données, ces créatures sont des êtres humains, mais leur ADN a sévèrement muté. Sinon, on peut faire une croix sur les survivants du crash. Je peux pirater la plupart des systèmes informatiques. Accédez à ce réacteur et je verrai ce que je peux faire. Excellent. J'ai pu réactiver la matière fissile. Le réacteur devrait surcharger et rayer cette base de la carte en explosant. Mais il va falloir empêcher les mutants d'interrompre le processus. J'ai trouvé un armement high-tech juste ici. Ah.
Mon analyse d'ADN révèle qu'il s'agit du chef de l'équipe de sécurité. S'il n'a pas survécu, les chances de Monsieur Von Bach sont minces. D'après mon analyse d'ADN, il s'agit de l'employée de VBI, numéro 130. C'est un coup dur. Elle était extrêmement importante pour cette expédition. C'est un technicien de Von Bach Industries. Je crains le pire. Et si on les avait tous perdus ? Ce n'est pas Monsieur Von Bach, mais quelle tragédie. J'estime le nombre de victimes à au moins 300. J'ignore s'il est vivant ou non, mais Monsieur Von Bach n'est clairement pas sur le site du crash. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver. Je reçois un SOS du Capitaine Grant. Je vais vous transférer. Je répète, à tous les survivants blessés non armés, restez à l'abri, on vous trouvera. À tous les survivants en état, rendez-vous au QG de secours, au point de ralliement de Liberté. Hey, Guillard, t'as eu le message des reps ? Rejoins-moi au point de ralliement. Je suis là. Les républicains ici. Je vais trouver leur réponse.